Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le passage de l'évangile de ce dimanche nous présente la deuxième partie du discours que Jésus avait fait dans la synagogue de Capharnaüm après avoir nourri une grande foule avec 5 pains et 2 poissons, la multiplication des pains. Il se présente comme le pain vivant qui est descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Et Jésus ajoute, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Ce passage est décisif et en effet provoque la réaction des auditeurs qui discutent entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger lorsque le signe de pain partagé porte, mène à sa véritable signification, c'est-à-dire le don de soi jusqu'au sacrifice? Surgit l'incompréhension, carrément même le refus de celui que juste avant, on voulait porter en triomphe. Souvenons-nous que Jésus a dû se cacher, puisqu'on voulait le faire roi. Alors, d'abord le triomphe, et ensuite, on se détache de lui, puisque les paroles de Jésus n'avaient pas plu. Et Jésus continue. Si vous ne mangez pas la chair de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Avec la chair ici, apparaît le sang aussi. Chair et sang, dans le langage biblique, expriment l'humanité concrète. Les gens et les disciples même comprennent que Jésus les invite à entrer en communion avec lui, à manger, de manger lui, son humanité, pour partager avec lui le don de la vie pour le monde. Rien à voir avec des triomphes et des espoirs de succès. C'est justement le sacrifice de Jésus qui se donne lui-même pour nous. Ce pain de vie, sacrement du corps et du sang de Jésus, nous est donné gratuitement dans le banquet de l'Eucharistie. Autour de l'autel, nous trouvons ce qui nous nourrit et qui nous désaltère spirituellement aujourd'hui et pour l'éternité. Et à chaque fois que nous participons à la Sainte Messe, d'une certaine façon, nous anticipons le paradis, le ciel sur terre. Car à partir de la nourriture eucharistique, du corps et du sang de Jésus, nous apprenons ce qu'est la vie éternelle. C'est vivre pour le Seigneur,
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi. L'Eucharistie nous façonne afin que nous puissions vivre pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur et pour nos frères. Le bonheur et l'éternité de la vie dépendent de notre capacité à rendre fécond l'amour évangélique que nous recevons dans l'Eucharistie. Et Jésus, comme à l'époque, aujourd'hui aussi, répète à chacun d'entre nous: si vous ne mangez pas la chair de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une nourriture matérielle, mais d'un pain vivifiant, vif, qui communique la vie même. Lorsque nous approchons de la communion, nous recevons la vie de Dieu. Et pour avoir cette vie, il faut se nourrir de l'Évangile et de l'amour de nos frères. Face à l'invitation de Jésus à de nourrir de son corps et de son sang, nous pourrions ressentir la nécessité de discuter et de résister, comme ont fait les auditeurs dont l'Évangile d'aujourd'hui nous a parlé. Et cela advient lorsque nous avons du mal à façonner notre existence sur celle de Jésus, à agir selon ses critères et pas selon les critères du monde. Nous nourrissons de cette nourriture, nous pouvons être en syntonie avec Jésus et avec ses sentiments, avec ses comportements. Pour cela, il est très important de se communier. C'est très important d'aller à la messe et de recevoir la communion, puisque là, on reçoit le corps du Christ, et ce Christ qui nous transforme de l'intérieur, et recevoir ce Christ vif nous prépare pour le ciel. Que la Vierge Marie soutienne notre propos de faire communion avec le Christ. Nous nourrissons de cette Eucharistie pour devenir à notre tour pain rompu pour nos frères. Concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini et ficiamo et promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Preunde in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunque nosque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ces derniers jours, chers frères et sœurs, les habitants du Kerala, en Inde, ont été durement frappés par de très fortes pluies qui ont provoqué des inondations, des glissements de terrain avec des lourdes pertes en vie humaine, beaucoup de sans-abri et des dégâts importants aux cultures et aux maisons. Il ne manque pas pour ces frères notre solidarité et le soutien concret de la communauté internationale. Je suis proche de l'église du Kerala, qui est en première ligne pour porter secours à la population. Et nous tous, ensemble, nous sommes proches de l'église au Kerala. Prions ensemble pour tous ceux qui ont perdu leur vie et pour toutes les personnes éprouvées par cette grande calamité. Prions ensemble en silence. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi. Je vous salue vous tous, pèlerins italiens et venus de différents pays. Je salue tout particulièrement les jeunes venus d'Ukraine et je les encourage à être des artisans de paix et de réconciliation. Je salue les nouveaux séminaristes avec les supérieurs de North American College de Rome. Ainsi que les adolescents et les jeunes du diocèse de Vérone. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h30. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.